Ben, en fait, je m'appelle Catherine, donc j'ai 25 ans. Donc, je suis la plus jeune franchisée Ange pour le moment. Et donc, j'ai commencé la boulangerie il y a 2 ans quand je suis arrivée ici en France. Vu que j'ai repris une boulangerie, j'étais déjà sous une franchise, donc un petit peu différente quand même en concept. J'avais envie de développer, j'avais 22 ans, je me dis bon, moi, pour moi, la vie, il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Donc, envie d'en développer plein, d'être accompagnée un petit peu et rentrer dans une famille. Et je pense qu'Ange était une évidence quand je pensais à tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de désavantages, mais il y a des avantages, je pense, avec le personnel. C'est vrai qu'on se rapproche, on parle un petit peu des mêmes choses. Avec les apprentis, des fois, c'est dur à gérer, mais le fait qu'on soit plus jeune, on peut utiliser un petit peu leur langage et finalement, on se comprend bien. Donc, je pense que ça a du plus. Le fait peut-être de sortir de l'école aussi, j'ai encore la soif d'apprendre, donc j'ai fait la formation Ange. Pour moi, c'était magique, j'ai plein d'apprentissages, lire les livres. J'adore encore ça, donc je suis encore un peu baignée dedans, donc je pense que c'est un bon plus. Et puis bon, après, peut-être des nouvelles idées aussi, quand on est peut-être plus jeune, on a un peu des nouvelles idées, donc les nouvelles tendances, et puis voilà. Oh, je referai la même chose. Vraiment, non mais Ange, c'est une aventure incroyable, c'est une super belle famille. On le sent, on est accompagné. C'est rare dans la vie qu'on est vraiment, on n'est pas tout seul et on se dit il y a des gens qui sont là pour nous, pour une ouverture. On a des moniteurs qui sont là, qui nous encadrent. On a confiance en eux, on sait que tous les matins ils vont être là, ils vont nous aider. Et puis si on est un pétrin, ben, ils sont là.